ça. Ah, c'est bien joué pour Lingani. Lingani avec la pique côté gauche. Il y a finalement Besnard en intermédiaire. Allez, la vitesse de... Est-ce qu'il va aller au bout? Cette fois-ci, et le but inscrit. Magnifique but, superbe combinaison et à la sortie. C'est Florian Lapi qui ouvre la marque ici à ce qui est rappelé une domination assez importante des Biterrois. Lapi était de retour. C'est peut-être pas terminé justement pour les Rouges et Blancs. Une frappe tendue. Oh, la parade terrible de Magno Novaes. Après cette frappe qui était tout autant terrible de Abdelhak Belhammer. Nouveau corner pour les Biterrois côté droit cette fois-ci. Un ballon très haut. C'est bien frappé. Oh là là, au point de pénalty, il y avait du monde. Et il est arrivé comme un boulet. Le numéro 18, c'était peut-être Ousmane Kanté, pardon. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez solide, bien sur ses appuis. Et il met souvent son corps en opposition pour essayer. Oh, c'est bien joué ça, ce qu'il y a pour aller jusqu'au bout cette fois-ci. Ah, il était tout seul, ce ballon qui a filé. C'est bel et bien la pause ici à Sauclière. Les Biterrois qui mènent sur un score de 1-0 après un but inscrit par Florian Lapi. Les Normands qui vont chercher un petit peu plus haut par l'intermédiaire. C'est peut-être pas terminé, c'est pas fini sûrement. Penalty. Il a été fauché. Il a été fauché. Charlie Dutournier et le point de pénalty a été désigné. On prend tout son temps de concentration pour tirer ce pénalty qui est précieux. Et Novaes qui a failli. In extremis le capter. Le ballon. Et but inscrit. Sur pénalty. Et puis là, on sent qu'il y a beaucoup plus de consistance, beaucoup plus de liant, beaucoup plus de continuité chez les visiteurs. Et ça, ça rend la tâche compliquée à Béziers, bien évidemment. Alors qu'un carton va sortir. Carton rouge. Et il est rouge, celui-là. Ouais. Il est rouge. Ouais, il est adressé à qui? À Taillant. À Robin Taillant. Ouais. Alors là, ça va forcément nuire au rendement des Biterrois. Il faut obtenir quelque chose là. Il touche un premier vrai ballon, Boufrise. Ouais. Il arrive à s'en sortir. Malgré la solidité défensive de Lusenga, au deuxième poteau là-bas. C'est pas terminé. Au pénalty, les buts ! Inscrit par les Biterrois à l'instant même par Savan. Par Savan, tout à fait, qui est rentré il y a de cela 4 à 5 minutes. Qui ramène des points. C'est pas fini, encore une action à venir pour les visiteurs. Les buts ! Oh oh ! Le but qui va changer le cours de cette partie de la part des joueurs normands. C'est bel et bien la fin de la rencontre entre une équipe frustrée Béziers et une équipe plutôt souriante, celle de Avranches.